Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire est en deuil depuis le 10 mars dernier. En effet, le Premier ministre des Côtes d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est décédé le 10 mars en Allemagne après avoir été hospitalisé à l'hôpital américain de Paris et transféré le 6 mars en Allemagne où il a succombé à un cancer le 10 mars dernier. Aujourd'hui, sa dépouille arrivera ici même sur l'esplanade du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le chef de l'État Alassane Ouattara prendra part à cette cérémonie. Depuis Trècheville, Plateau, Makori, Port-Boué, on aperçoit partout dans le district d'Abidjan une aide d'honneur pour accueillir la dépouille du Premier ministre et lui rendre un vibrant hommage pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. En effet, Ahmed Bakayoko était très proche de cette jeunesse ivoirienne. C'est dans ce cadre-là que hier, le ministre Mamadou Touré, directeur exécutif en charge de la communication du RHDP, a organisé une rencontre avec les leaders d'opinion et d'associations politiques ou apolitiques pour organiser l'accueil à cette dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour lui dire encore une fois merci pour tout ce qu'il a fait pour la jeunesse ivoirienne. Et nous rappelons également que cette cérémonie sera à suivre dans quelques instants en direct sur notre chaîne à partir du signal de la télévision nationale ivoirienne RTI. Quelques témoignages sur l'homme Ahmed Bakayoko, qui était-il sur le plan professionnel et politique. Nous irons vers quelques cadres du parti et ses parents pour des témoignages. Vous m'avez posé la question de savoir qui était Ahmed Bakayoko et les relations que
moi personnellement j'avais avec lui. On ne peut pas qualifier le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est un homme multidimensionnel. C'est un homme vraiment très 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 social. Moi personnellement, aujourd'hui, on m'appelle Kader Fofana grâce à cet homme-là. C'est grâce à lui que moi, Kader Fofana, j'ai pu avoir un premier poste de travail. C'est grâce à lui aujourd'hui, moi j'ai pu véritablement me faire une place au soleil à travers ses conseils, ses orientations. Donc pour moi aujourd'hui, perdre un homme comme Ahmed Bakayoko, vraiment c'est très difficile. C'est très difficile, il m'a pris comme son enfant. Tous les jours j'avais besoin de lui. Si je n'arrivais pas à l'avoir au téléphone et que je lui laissais un petit SMS, instantanément j'avais vraiment le retour. Et je ne sais pas comment le qualifier, mais aujourd'hui c'est de prier pour le repos de son âme et que Dieu le Tout-Puissant vraiment puisse l'accepter auprès de lui. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais qui était-il également sur le plan politique, puisque vous êtes président d'un mouvement politique? Quelles étaient les relations que vous avez entretenues avec lui? Ahmed et moi, on avait vraiment une relation particulière. C'était une relation de grand frère, petit frère. Voilà, c'est vrai qu'il avait ses orientations politiques à travers la vision du président Alassane Ouattara. Mais lui et moi, vraiment, c'était une affaire de petit frère, grand frère. Voilà, tous les conseils qu'il me donnait, c'était dans le cadre vraiment du petit frère, grand frère. Et même si c'est des décisions politiques, mais nous considérons d'abord la famille, l'intérêt de la famille. Et la première personne à chaque fois que le Premier ministre, à chaque fois qu'il veut prendre une décision, à la première personne qu'il pensait, c'était vraiment le président Alassane Ouattara. Il a toujours dit, Kader, il faut qu'on regarde le président Alassane Ouattara. Ce qu'il va décider, c'est ce qu'il va faire. On ne peut pas aller au-delà vraiment des décisions du président Alassane Ouattara. Donc voilà comment vraiment l'homme a toujours fonctionné. Et il est resté tel, un homme sans façon, disponible, toujours prêt à aider ses petits frères, donner des conseils, des orientations politiques, mais toujours resté dans le cadre familial en pensant toujours à son père qui est le président Alassane Ouattara. Il n'a jamais voulu vraiment aller au-delà des décisions du président Alassane Ouattara. Donc c'est ce qu'il nous a inculqué et nous pensons pouvoir vraiment marcher vraiment dans la formation qu'il nous a laissée. Voilà un peu. Merci. Ouattara Brahima, adjoint au maire de la commune d'Abobo et coordinateur régional associé de la commune d'Abobo à Niama. Qui était Ahmed Bakayoko sur le plan politique? Un témoignage. Et je voudrais dire, je l'ai toujours dit, c'est un homme politique de premier ordre. Parce qu'il a commencé sa vie politique depuis les premières heures de notre nation, avec le président Félix Houphouët-Boigny. Après lui, il a continué avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il fut, je peux dire, une figure emblématique de la lutte de notre démocratie en Côte d'Ivoire. Il a mené tous les combats. Et ce qui caractérise son homme, un homme humble, simple, fidèle et sa loyauté envers le président de la République a permis de relever tous les défis sur le plan national. Et je peux le dire, voilà un homme, s'il n'était pas bon, il ne peut pas être ministre de plus de trois présidents de la République. Il a mené ce combat et la stabilité. Et il a mené la paix et la stabilité en tant que ministre d'État de l'Intérieur et ministre de la Défense, Premier ministre. Il a mené tous les combats sur le plan national. Et je crois que
je voudrais qu'on félicite, qu'on lui rende un vibrant hommage pour tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses dignes fils. Et surtout notre commune, la commune d'Abobo, vient de perdre l'un de ses fils. Que nous appelons, c'est un symbole pour nous, Abobolais. Comment vous voyez, après en bas, la commune d'Abobo, la jeunesse, il a toujours dit, c'est un homme qu'on ne peut pas remplacer. Et nous prions le bon Dieu de là-haut qu'il puisse assister la commune d'Abobo, qu'il puisse assister une nouvelle génération pour qu'il puisse mener le combat qu'il a mené. Vous voyez, Abobo n'avait pas d'image, Abobo n'avait pas de visage. Grâce à son leadership aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Il a mené tous les combats et aujourd'hui, Abobo a une image positive. Avant, on ne pouvait même pas entrer à Abobo. Et aujourd'hui, grâce à lui, on peut se promener à Abobo à tous les niveaux. Même à toutes les heures, on peut être à Abobo. Et je vous le dis, et il a dit, voilà son concept, il dit, nous ne sommes pas riches. Abobo, les gens sont pauvres. Ce n'est pas pour nous. Mais ce qui nous caractérise, c'est la solidarité et le partage. Et à partir de ce tout, ils disent, vous devrez faire de ce mot, ce n'est plus des mots, mais un mot de vie au niveau d'Abobo. Ce qui a fait que nous avons tenu, nous sommes en train de relever le défi du développement avec Ahmed Bakayoko. Et je crois que son âme va planer chez Abobo. Nous allons continuer son œuvre. Je vous remercie. Vamos a leer.
C'est dans quelques minutes, il est 15h00, dans quelques minutes l'arrivée de la dépouille du Premier ministre Feu Ahmed Bakayoko ici sur l'esplanade du pavillon de l'aéroport Félix Houphouët Boigny de Port-Boué. Devant l'aéroport, on aperçoit un dispositif sécuritaire installé et les personnalités sont en train de s'installer. Nous attendons également l'arrivée du chef de l'État avant le début de la cérémonie qui est d'ailleurs à suivre sur notre chaîne en direct. Thank you.
c'est absolument tout. La personne, la personne.
passer après. Non,
dans son grade de capitaine. Thank you.
bien protégé toujours.
C'est le président serait dans la... Ah non, peut-être que ça a gagné le président à la porte. C'est un pays qui est
SVU. Il n'a qu'à mettre là derrière. Après,
Sous-titrage.